Bonjour à tous, bienvenue au cours du Pilates niveau 1 du mercredi matin. Alors j'ai décidé de les faire maintenant différés car il y avait beaucoup de coupures et les cours n'arrivaient jamais à être entiers. Donc pour un confort, je préfère maintenant les faire en différé. Du coup, on va tranquillement commencer par un petit échauffement articulaire comme d'habitude. Un échauffement des exercices et on les transposera au sol. Vous aurez juste besoin d'un tapis, d'une petite serviette, de votre bouteille d'eau. Je vous laisse vous installer, comme c'est du différé, je vais attendre juste 30 secondes que tout le monde arrive. En attendant, on peut tout de suite prendre une grande inspiration par le nez et souffler par la bouche. On peut poser ses mains sur ses genoux et on inspire. Sur la troisième inspiration, on va essayer de respirer avec le haut du corps, donc d'abandonner son ventre pour privilégier sa cage thoracique et ses côtes arrière. Inspirez doucement. Sentez comment vos côtes se gonflent en arrière. Pousse l'espace qu'il y a dans votre dos et soufflez. Une dernière fois. Soufflez. Le dos est bien droit. Allez, on va commencer tranquillement l'échauffement. On va se mettre sur les mains. Hop, crocheter ses orteils. Puis se relever en douceur. Ok, très bien. On va commencer par ses chevilles. On va juste se lever sur la pointe des pieds, bien répartir tout le poids de son corps sur tous les orteils. Et que lorsqu'on revient au sol, on répartit le poids sur l'intégralité du pied, autant sur le talon que sur l'extérieur que sur les orteils. Ok, on va faire de légères bascules sur la pointe des pieds et sur le talon. Voilà, le corps reste droit, c'est juste vraiment le poids qui est transvasé sur l'avant, puis sur l'arrière. Ok, maintenant on va faire juste une cheville après l'autre, comme ça on va commencer aussi à activer ses genoux tranquillement. On est pieds nus, on est vraiment dans une position assez confort, assez cocooning. Ok. Et on va y aller plus lentement. On écarte légèrement les pieds, supérieur écartement épaules, les orteils vers l'extérieur. Puis on va venir faire des ronds de bassin en prenant le temps de bien aller chercher sur les côtés, puis sur le devant et sur l'arrière. On doit sentir un peu l'activation de ces adducteurs et quand on est sur l'arrière, des ischio-jambiers. Voilà. On active également l'articulation de la hanche et on essaye d'aller chercher de plus en plus loin, d'aller chercher une plus grande amplitude. On revient au centre, puis on part dans l'autre sens. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle lorsqu'on revient. Inspire et souffle. On va basculer son bassin en arrière puis en avant. Donc comme d'habitude, comme si qu'on nous mettait un coup de poing dans le ventre. Du coup, on aspire son nombril et à l'inverse, on va arrondir le haut, le ventre, ce qui va créer un petit arc au niveau du dos.
Voilà, on peut tout de suite s'imaginer une bassine d'eau. Et là, évidemment, l'eau va de haut en bas. Et on va chercher à stabiliser cette eau. Donc on va chercher la neutralité de son bassin en ayant un dos bien droit, une colonne vertébrale bien alignée. Ok, et on va passer aux épaules tranquillement. On va les monter au niveau de ses oreilles. Puis on resserre les omoplates et on redescend. On va bien chercher ce mouvement à grande amplitude. On monte bien tout en haut, on resserre bien au maximum et on redescend. Et on part dans l'autre sens. Très bien. Et on va échauffer également les poignets car on va travailler dessus. On va avoir pas mal de postures, de positions qui sont en appui sur les poignets. Donc on va les échauffer, activer tout ça. Dans l'autre sens, n'hésitez pas. Vous pouvez faire comme ça, tout simplement. Dans l'autre sens. Ok, très bien. Et on va juste faire quelques ronds de tête afin d'échauffer quand même ses cervicales et les muscles du cou. Donc on vient bien chercher sur le côté, devant. Là, on va regarder son pubis, son sternum. Vous voyez, on est vraiment ancré dans sa poitrine. Puis, on va chercher du côté de l'épaule. Un peu comme les ronds de bassin, sur le même principe. Côté, devant, derrière. Vos genoux sont souples et votre poids est bien réparti sur l'intégralité de vos pieds. Et dans l'autre sens. Écartement bassin, ou un petit bassin, hein, parallèle, et là on va juste monter, on va, ses mains vont être accrochées l'une entre elles, on va bien gainer au niveau des abdos, de la ceinture abdominale, de son transverse, et là sur l'expiration, on va lever son genou jusqu'à hauteur de sa hanche, on prend une inspiration haut, et on repousse, et on repose sur l'expiration. Puis on va changer de genou. On prend son temps de bien faire ses cycles respiratoires entiers. On essaye tout de suite de se mettre sur une respiration costale latérale. Alors dans cette position, c'est un peu plus facile parce qu'on tend les bras vers le haut, on a déjà ses abdos engagés. On gonfle sa poitrine. Encore. Soufflez, relâchez vos bras. Et là, on va faire le même exercice, mais en même temps, on va lever le bras opposé. Donc, inspire, souffle, lève. Inspire. Et repose. Pensez la jambe d'appui est souple sur son genou et le poids est bien réparti sur l'intégralité du pied.
encore. Ok, reposez. Là, on va juste lever la jambe et puis faire des petits ronds. C'est vraiment la hanche qui travaille. Genou souple sur la jambe d'appui, pardon. Et on va dans l'autre sens. Et on agrandit les cercles. Si c'est trop dur pour l'équilibre, on prend une chaise à côté de soi. Il n'y a pas de souci. Par contre, on n'agrippe pas la chaise. On pose la pointe des doigts dessus. Les petits coussinets là qu'on a. Juste, on pose. C'est vraiment un support. Et pas on la grippe pas de toutes ses forces. On est détendu sur ses muscles. On engage ses abdos à 30%. Et on part dans l'autre sens. Et on augmente l'amplitude. Et on est souple sur sa jambe d'appui. On est costaud sur son centre. C'est-à-dire qu'on active ses muscles profonds. Son transverse. Relâchez. Son périnée. Le périnée, c'est le muscle du stop urine. Donc celui-là, on l'active et on fait remonter ce petit muscle jusqu'au pubis, jusqu'au nombril. C'est une image, on est bien d'accord? Et on va activer également ses obliques. Pensez à activer vos obliques, ceux qui nous font une taille de guêpe, l'été, le transverse, celui qui fait qu'on marche, qu'on est équilibré. Ok, très bien. On va passer au sol tout de suite. Donc, on se met au bout de son tapis. On va descendre. Pliez les genoux. Mettez vos mains sur l'arrière. En appui sur les fessiers. Mon dos est bien droit. Je descends en contrôle. Et en premier temps, je vais aller déposer mes lombaires sur le sol. Ok. Et le reste suit jusqu'au cervical. Très bien. Allez, on fléchit les jambes tout de suite et on va faire 3 cycles respiratoires avec la respiration costale latérale. On peut mettre une main sur son ventre et on va respirer avec sa cage thoracique. Inspirez et soufflez. Encore. Une dernière fois. Ressentez ce qui se passe sur ce tapis. Vraiment, vous sentez vos côtes en arrière qui s'écrasent sur le tapis, qui s'écartent. Et quand vous expirez, les côtes se redressent, se dégonflent. Toute cette partie-là se dégonfle, se relâche. C'est assez intéressant de ressentir ce qui se passe au niveau physique. Allez, on va inspirer sur l'expiration. On va monter une jambe à 90 degrés d'angle avec la hanche. Inspire. Souffle, lève. Inspire. Souffle, tend la jambe. Là, on voit bien que mon bassin est bien ancré dans le sol. Il ne bouge pas. Il est complètement immobile. Et là, on va créer des cycles respiratoires. On y va pour 3 cycles respiratoires. Inspire et expire. Un cycle respiratoire. Allez, on y va sur 3 temps. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Encore. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 3, 2, 1. Ok. Inspire. Souffle, monte l'autre jambe. Attention, va chercher tes muscles profonds au niveau de tes abdos. Inspire. Souffle, super. Et on reste dans cette position et on fait 3 cycles respiratoires. Inspire. Allez, essaye de détendre ce grand droit. Va chercher au plus profond de toi. Va chercher plus loin.
Inspire. Dernière fois. Inspire, souffle, reviens avec la première jambe. Inspire, souffle, repose. Voilà, là on voit bien que ça soulage au niveau des abdos, cet appui qu'on a au sol. On replace bien son bassin, il est en neutralité. Les épines iliaques sont bien en direction du plafond. Et on continue. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et dernière fois. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, reviens. Mon genou ne dépasse jamais ma hanche. Je veux pas ça. On garde vraiment un bel alignement à 90 degrés. Inspire, souffle, repose, pointe, talon. Très bien. On va repartir pour le même exercice, sauf que là, on va monter une première fois la jambe droite en chaise renversée et on va tout de suite accompagner de sa jambe gauche. Inspire, souffle, lève. Inspire, souffle, lève. La deuxième jambe est beaucoup plus dure. Mobilise ton transverse. Mobilise ton périnée. Inspire, souffle. Encore, replace ton corps. Inspire, souffle, tend la jambe droite. Inspire, sur l'expiration, tend la jambe gauche. Très bien, et on repart pour 5 cycles respiratoires. En 3 temps. Inspire. 1, 2, 3. Souffle. 1, 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, souffle, 1, 2, 3, encore, inspire, encore 2, le dernier, 1, 2, 3, souffle, 1, 2, 3, inspire, souffle, redescends la première jambe, puis la deuxième, et on descend jusqu'au sol, inspire, souffle, pointe, talon, inspire, souffle, pointe, talon, super, on replace, on se replace si nécessaire. Donc notre bassin, là le dos suit bien la courbure naturelle du corps, on n'est pas là à vouloir ancrer absolument ses lombaires dans le sol et on va éviter quand même de cambrer au maximum. Si on sent vraiment qu'il y a une grosse cambrure, on va compenser avec l'aide d'une serviette par exemple, d'un petit support pour soulager un peu ce dos quand même. Très bien. On part au deuxième exercice, le scissor. Alors le scissor, c'est un peu le même départ que le 100, donc le 100 c'est celui qu'on fait tout le temps en début de séance. Du coup en fait le scissor, sur l'expiration on va monter la jambe et sur le deuxième cycle respiratoire en fait quand on va monter l'autre jambe, la première jambe va descendre et du coup on va avoir ce mouvement un petit peu alterné, de genoux alternés. Donc là le cycle respiratoire ça va être inspire, souffle. Mais vous voyez bien que quand il y a une jambe qui descend, l'autre monte. Donc il n'y aura pas vraiment à proprement dit de quand je descends, je souffle ou quand je monte, je respire. Ça sera vraiment des cycles respiratoires entiers. Allez, on y va une première fois et on y va pour
10 répétitions, donc 5 genoux alternés. Inspire, souffle, lève. Et c'est parti, des cycles respiratoires. Inspire, souffle. Donc on a bien toujours la pointe du pied qui retouche le sol. Et le dernier. Ok. Repose, pointe, talon au sol. On va refaire une série comme celle-ci, sauf qu'on va faire maintenant 10 genoux alternés. Donc allez, on repart. On active bien ses abdos, son transverse et ses obliques, le périnée à ne surtout pas oublier. Allez, on se remet en ressenti et c'est reparti. Inspire, souffle. Ok, on repose. Et là, on va y aller un petit peu plus dynamique. Donc, ça va vraiment faire pointe, 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 pointe. On va y aller un petit peu plus rapidement. Allez, on se met tout de suite en position. Et c'est parti. Inspire et souffle. Ok, très bien. On repose. Pointe talon. Et pour la dernière série, on ne va pas reposer la pointe au sol. Donc on sera toujours en légère contraction au niveau de ses abdos, au niveau de cette sangle abdominale. Et on va travailler un petit peu plus encore en intensité. Allez, on se remet en position et c'est parti. Inspire, souffle et on repose pas. Inspire, souffle. Tout le haut du corps est immobile. On va chercher quand même bien en bas. On a bien ce mouvement alterné. Inspire, souffle. Engage bien ton périnée. Ok, on sent qu'il y a un peu plus de travail sur les abdos. Très bien. Et on y va en plus lent. Deux temps pour remonter, deux temps pour redescendre. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Pensez bien à respirer.
on se remet en chaise renversée. Donc, chaise renversée, c'est les deux genoux côte à côte, élevés à 90 degrés. Et là, on va juste aller tendre ses jambes, comme le premier exercice. Et puis, on va relever son buste et on va se mettre en équilibre sur ses fessiers. On cherche sa stabilité au niveau de l'équilibre de ses ischions. Donc pas les ischios hein, qui sont là derrière, mais bien les ischions qui sont sous vos fesses. Inspirez, soufflez bien. Inspire, souffle. Inspire, soufflez, relâche et reviens. Très bien. On va passer en quadripédie, donc c'est-à-dire, vous pouvez boire un petit peu d'eau, hein, si vous voulez, n'hésitez pas à vous hydrater. Donc on va se placer en quadripédie, c'est-à-dire les mains alignées avec les coudes et les épaules et les genoux alignés à ses hanches. Et là, on va juste faire un petit exercice, on va dissocier sa tête, donc sa tête. On va juste lever et descendre. Donc là, c'est juste la tête. Hein. Les épaules ne bougent pas. Le dos, il ne bouge pas non plus. Ok. Et on va essayer. Oh non, on ne va pas essayer. On va le faire. De la placer droite dans l'alignement de la colonne vertébrale. Le regard, normalement, se situe à l'extrémité des doigts, au niveau de votre manucure. Ok. Et on va faire pareil avec le haut de son dos. Alors, vous allez creuser vos omoplates. Puis les écarter, puis on les creuser, puis les écarter. Là, vous voyez bien, il n'y a vraiment que le haut du dos qui bouge. Et pareil, on va aller chercher cette neutralité, cet alignement avec nos cervicales. Puis on va le faire avec le bas du dos. On va cambrer le bas du dos, puis l'arrondir. Vous voyez, voilà, là on est bien sur le bas du dos, en fait, sur le bassin. C'est l'action du bassin qui fait arrondir ou cambrer votre dos. Et donc on va se replacer. On va trouver cette neutralité, toujours avec l'image de cette bassine d'eau qui ne doit pas déborder. Donc hop, je me place, voilà. Donc on voit que mon dos est droit, que je suis droite. Pour l'exercice, donc on va inspirer, souffler et venir faire glisser sa jambe droite et la lever. Là, ce qui est important, c'est qu'au niveau de ses hanches, on reste bien parallèle au sol. La hanche ne twiste pas. On est bien droit, droit. Le poids est réparti sur les trois appuis, pas que sur la main ici, mais vraiment sur les trois appuis. Et on garde un bel alignement. Inspire, souffle, reviens. On passe tout de suite à l'autre jambe. Inspire, souffle, fait glisser, monte et on s'aligne. Attention à ne pas twister ses hanches. C'est très important. On crée un bel alignement du talon jusqu'au sommet du crâne. Attention à votre nuque, on est bien dans le prolongement de sa colonne vertébrale, le regard vers sa manucure. Et on repose. Là, on va y aller un petit peu plus dynamique, maintenant qu'on a toutes les informations sur l'exercice. On y va. Droite, gauche, inspire, souffle, pousse, inspire, souffle, reviens, inspire, souffle, glisse, inspire, souffle, reviens. On garde le dos bien droit, on ne cambre pas le dos. Si on voit qu'on commence à cambrer, on se remet en place. On refait l'exercice du bassin et on retrouve sa neutralité. Attention à ses hanches.
Encore un aller-retour. Inspire, souffle. Inspire, souffle, reviens. Et le dernier aller-retour. Inspire, souffle, reste bien droit. Alignement parfait. Inspire, souffle, reviens. Inspire, engage tes abdos. Viens t'asseoir sur tes talons. Et on va détendre un petit peu ses poignets. Comme on met pas mal de poids dessus, on n'hésite pas à détendre ses poignets. N'hésitez pas à faire quelques ronds. Très bien. On va y retourner. Et on va maintenant placer les bras en plus. Donc on se remet tout de suite nos trois coffres, notre tête au niveau de la manucure. Un bel alignement avec le haut de son corps. Voilà. Engage bien tes abdos, c'est très bien. Et c'est parti. On va faire glisser la jambe droite et lever le bras opposé. Très bien. Et on repose. Et on va chercher de l'autre côté. Toujours le bassin droit parallèle au sol. Encore. Et là, lorsqu'on n'a plus que deux appuis, on répartit bien aussi le poids du corps pour pas trop mettre sur le poignet. Super. Allez, on continue, c'est pas fini. Encore. Allez, on garde cet alignement et on relâche. On va venir s'installer sur ses talons pour détendre ses poignets. On va continuer cet exercice et cette fois, on va le faire en statique. On va rester 10 secondes de chaque côté, puis 15 secondes. Alors, j'ai pas le chrono, je vais le compter dans ma tête. Donc, m'en voulez pas s'il y a une demi-seconde de différence entre les deux côtés. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Inspirez. Allez, on se met en position dos droit déjà direct. Comme ça, on prend les bonnes manières. Et on va venir s'installer. Active tes abdos pour pas cambrer. Ok, on est installé. Et c'est parti pour le statique. Jambe droite, bras gauche. Inspire. Souffle. Ok. Et on reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et souffle. Extra. On ne se met pas en apnée, hein. On respire bien, on fait bien ces cycles respiratoires lorsqu'on est en statique. Hein. Inspire, souffle et on part pour la jambe gauche. Voilà, très bien, le bras est bien à hauteur de l'épaule. Inspirez, soufflez, gardez votre bel alignement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche tranquillement. Allez, on part pour 15 secondes tout de suite. Inspire, souffle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. On part de l'autre côté, mais engagez bien vos abdos, c'est hyper important. Et là, vous allez voir que les abdos profonds, on va bien les sentir. Inspirez, soufflez, engage-moi tes abdos. 1, 2, 3.
3. Attention à votre bassin. 4. Corrigez-vous. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâchez. Ok. Super. On va passer sur les fessiers. On va laisser reposer ses petits poignets. On descend, toujours en contrôle. Allez, on y retourne. Là, enroulez bien votre menton dans la poitrine. Et on arrondit le dos. Soufflez. Et déposez tout en contrôle. Super. Ok, on va rapprocher ses talons de ses fessiers. Écartement des genoux. Bassin. Donc on a un petit bassin. Là sur l'exercice, donc on va juste pousser sur ses pieds pour élever notre bassin. On va avoir cette sensation que les quadriceps, que les cuisses partent sur l'avant, que les genoux avancent. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on ne veut pas que les genoux s'écartent. Du coup, si vous voulez, vous pouvez vous mettre un ballon. Si vous avez un ballon, un petit ballon, vous le mettez entre les jambes et bah, il ne faudra pas qu'il tombe, évidemment. Donc, allez, on part. Inspirez. Sur l'expiration, on pousse sur l'intégralité de son pied. Inspire. Souffle, pousse. Voilà. Et là, on va créer un bel alignement entre son genou, son bassin et ses épaules. On n'est pas en appui sur la tête, on est bien en appui sur ses épaules. Inspire, souffle, redescend et repose. On va partir pour 10 répétitions et on ne posera pas le fessier au sol. Donc ça va faire inspire, mettez-vous en place. Retrouvez votre neutralité au niveau de votre bassin, la courbure naturelle de votre dos. Inspirez, soufflez et on pousse. Inspire, souffle et on redescend. Inspire, souffle, pousse. Inspire, souffle, descend. Ressentez comme on sent que ça pousse sur les genoux pour qu'ils partent sur l'avant. On sent également la légère cambrure au niveau du dos. C'est pas grave. Inspire, souffle. C'est pas une douleur, c'est juste un travail de renforcement. Inspire, souffle. Cinquième répétition, encore 5. Inspire, souffle, 4. Inspire, souffle, monte, et 3. Inspire, souffle, descend. Inspire, souffle, monte. Là, décontracte tes fessiers. On y va vraiment à la force du dos et des abdos profonds. Inspire, souffle, relâche. Inspire, souffle, monte. Inspire, souffle, relâche. Et la dernière. Inspire, souffle, monte. Inspire, souffle, relâche totalement. Tu peux monter tes genoux à la poitrine. Voilà, pour bien ancrer tes lombaires dans le sol. Très bien. Si tu veux, tu fais des légères bascules de droite à gauche. Super. Inspire et souffle. Ok, on se remet en place et là on va repartir pour du statique. Donc on va monter en bridge et on va rester statique. Et je vais compter. Et je ne vous dis pas combien de temps on reste, c'est la surprise. Ok, inspire, souffle, pousse et reste. Et continue à faire des cycles respiratoires. Attention, tes genoux sont bien dans l'alignement de ton bassin. Ils ne sont pas écartés. Je veux les voir serrés. Écartement bassin. Ton fessier est décontracté. On y va, on pousse à la force de ses lombaires, de son dos. Légère arc. Un bel alignement avec ses hanches et ses genoux. Inspire, souffle bien. On est en appui total sur ses omoplates et sur ses épaules. Allez, on va chercher un peu plus haut, on remet une poussée. Très bien, inspire, souffle,
Bon, du coup, je n'ai pas compté hein, parce que j'étais en train de donner des consignes. Bon, on va rester encore un peu. Allez, on reste encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Et on peut monter ses genoux en direction de la poitrine. On les englobe, mais on n'appuie pas sur ses genoux. On va bien appuyer sur ses tibias. On libère son articulation tranquillement. On ne met pas plus de contraintes dessus. Inspire, souffle bien. Inspire et souffle. Très bien, on va passer aux étirements. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer de l'autre côté. Voilà. On va faire la position, du chien, tête en haut. Donc, paume des mains, écartement sous les coudes. Puis, on va se mettre à la ligne des épaules. Si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre les mains un peu plus sur le devant. Et là, on va pousser sur la paume, tout simplement, pour relever son buste. La tête suit la ligne de sa colonne vertébrale. Décontractez vos fessiers. Sentez la cambrure du dos. On étire vraiment la chaîne ventrale. Et les oreilles sont évidemment loin des épaules. Donc on met bien ses épaules en arrière. Alors pour mettre les épaules en arrière, c'est vrai que c'est plus simple de placer les mains plus sur le devant. Voilà, comme ça là on a bien ses épaules en arrière. Mais les deux positions sont justes. Inspirez, soufflez, relâchez. Le front repose sur le tapis. Inspirez, soufflez, poussez. Épaules loin des oreilles. Tête qui suit l'alignement. Je ne veux pas être tête en l'air comme ça, ni en bas. On est bien aligné avec sa colonne vertébrale. Décontractez les fessiers. Inspirez, soufflez et relâchez tranquillement. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Inspire, souffle et pousse. Inspire, souffle et repose. Très bien. Là, on va rapprocher ses mains au niveau de sa poitrine. On active ses abdos tout de suite. Et puis, on va crocheter ses orteils dans le sol. Puis, on va se redresser et venir s'installer sur ses talons. On va donc étirer sa colonne vertébrale. Inspire et sur l'expiration, on va grappiller ces quelques millimètres avec tes doigts. Le bas du corps ne bouge pas, c'est juste tes mains qui va grappiller pour s'auto-grandir. Étirer cette colonne vertébrale. Inspire et souffle. Inspire, souffle. À l'aide de tes mains, tu vas venir te redresser. Les mains l'une après l'autre en direction de ton buste. Tu redresses, tu replaces tes omoplates. Tes cervicales suivent l'alignement de ta colonne vertébrale. Ton dos est droit. Et là, on va venir poser ses mains devant les genoux, puis crocheter les orteils. Pour ceux qui peuvent, on s'installe sur les talons
et on va relever en premier lieu ses fessiers. On est complètement relâché, le dos est rond, les genoux sont souples. Inspire, souffle, déroule tranquillement ta colonne vertébrale. Visualise-la et réempile tes vertèbres les unes après les autres, en commençant par les lombaires, puis les thoraciques. Tes omoplates vont suivre et vont venir se replacer. Ensuite, tes épaules et tes cervicales. Ok, bravo à tous. Merci de nous suivre. J'espère que la connexion est bien mieux au niveau de la rediffusion. N'hésitez pas à mettre un pouce comme quoi c'était peut-être mieux au niveau de la qualité. Et je vous souhaite un très beau mercredi. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un grand plaisir sur la chaîne Momform. Merci beaucoup, merci à tous. À bientôt, bye bye.